Salam alaikum. Merci, cher confrère, pour votre introduction. Un immense merci aussi pour votre invitation à cette journée. J'en suis très honoré. Puis, merci à vous tous présents aujourd'hui. Je vais être franc avec vous. Quand mon ami de l'ANA, M. Kamel Benfraj, m'a contacté, j'ai vraiment hésité à participer, surtout quand il m'a demandé de communiquer sur la qualité architecturale. Moi qui, en tant qu'architecte praticien, j'ai l'habitude de parler de mon expérience, de mon travail, je me voyais en acceptant juger la qualité alors que je fais partie des problèmes. Et donc, je risquais d'être quand même un peu partial dans mon intervention. Quelqu'un m'avait fait cette remarque. Vous voyez, la plupart des architectes, y compris moi, vous diront qu'ils ont perdu des concours d'architecture. Et entre nous, ils n'ont rien perdu. Ils n'ont juste pas gagné ces concours-là. Seulement, un autre architecte a été choisi pour lui confier la mission de la maîtrise d'œuvre. Mais en réfléchissant, je me suis dit, si on doit parler de qualité architecturale ou même de qualité urbaine, avant de parler de l'architecte, il faudra peut-être parler de celui qui choisit l'architecte, celui qui sera là dès le début. Donc, depuis l'initiation du projet jusqu'à probablement ses différentes réhabilitations ou même sa démolition. Le maître d'ouvrage est en l'occurrence le maître d'ouvrage public, celui qui a la responsabilité d'établir les critères qui définissent la qualité architecturale et veille à ce qu'il soit pris en considération dans un projet proposé et dans des proportions qu'il va définir lui-même par rapport à un type de projet ou à une situation économique ou à un programme ou peut-être à un contexte quelconque. Et puisque je n'ai jamais été maître d'ouvrage, je vais plutôt faire ce que je fais de mieux, parler de ma propre expérience et à travers mon architecture sur ma relation avec différents maîtres d'ouvrage et leur rôle dans les choix et les décisions qui ont fait que certains projets réussissent et d'autres non. Bien sûr, et toujours selon mes attentes personnelles et mes propres espérances. Et ça restera toujours ma vision des choses. Et donc, pour l'objectivité, ce n'est toujours pas gagné. Mais je vous assure que je ferai de mon mieux. Mais avant de commencer, je souhaite rendre hommage à Feu Abdelrahman Malem, notre confrère que nous avons perdu il y a 10 jours, un architecte distingué, attentionné et très généreux. J'implore humblement le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis. Je voudrais ici me rappeler de lui quand il était président du conseil local de l'ordre des architectes de Batna en 2005. Je me rappelle l'avoir sollicité à 2 reprises. La première fois, c'était pour un concours d'architecture où le maître d'ouvrage nous avait induit en erreur concernant la date limite de dépôt des ordres. Et il ne voulait rien entendre. Et grâce à l'intervention de Abdelrahman, j'ai pu, avec d'autres confrères, participer au concours et cerise sur le gâteau, je l'avais gagné. La deuxième fois, je lui avais demandé de faire pression sur le maître d'ouvrage pour afficher le projet lauréat d'un concours d'architecture concernant la réalisation d'un lycée à Batna. Ce qu'il avait fait, et en plus, il a obligé le maître d'ouvrage à afficher tous les projets lauréats des concours lancés dans cette période lors d'une assemblée générale des architectes. On n'a pu pas comprendre les choix du maître d'ouvrage, mais au moins les voir. Vous l'avez sûrement compris, c'est bien le projet qui a été retenu et réalisé. Ça, c'est ma proposition. Je trouve que là, Abdelrahman, paix à son âme, avait initié quelque chose d'important et de nécessaire sur le chemin de la qualité architecturale. C'est bien dommage que ça n'a pas pu continuer ou que ça n'a pas pu évoluer. Cette transparence qu'on devrait rendre obligatoire pour les maîtres d'ouvrage publics, ça réduirait l'opacité qui enveloppe l'accès à la commande publique et ça pousserait tout décideur à assumer publiquement la responsabilité de ses choix. Et c'est très important parce que les projets mis en œuvre par les pouvoirs publics ont un impact considérable sur la vie des citoyens. Ce qui concerne le développement des espaces publics et des grands projets. Réussir un projet peut dynamiser une zone et attirer d'autres projets privés qui améliorent cette dernière. Mais la qualité architecturale et même urbaine d'une ville ne dépend pas que des grands projets publics. Il s'agit aussi de petits projets privés à condition, à mon humble avis, que règne une vraie culture architecturale et urbaine. Et en voici un exemple, ou plutôt une question, sur le décalage culturel, sur les difficultés d'établir un dialogue entre architectes et clients. Ici, une conception d'une maison à Batna. Là, j'ai laissé défiler plusieurs variantes de mon travail sur l'écriture architecturale de la façade, juste pour dire que ce n'est jamais gagné du premier. Pour obtenir un travail acceptable et suffisamment abouti, il y a peut-être parfois un peu de talent, mais il y a sûrement toujours beaucoup de travail acharné. Donc, on aurait pu s'arrêter ici, mais le client n'était toujours pas satisfait. Je lui demandais de me montrer à quoi voudrait-il que sa maison ressemble. En d'autres termes, me donner des exemples. Il m'a envoyé cette image de synthèse que je n'arrive pas à ce jour à situer, ni dans l'espace, ni dans le temps. Vous savez, je n'étais pas bon du tout en HCA. Attention, je ne dis pas
qui l'attaque. Et je ne juge rien ni personne. Je ne fais qu'étaler des faits et donner un avis. D'ailleurs, à mon avis, la seule erreur qu'il a peut-être commise est qu'il a choisi le mauvais architecte pour son projet. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que malgré moi, je fais partie du système. Et si j'ai des problèmes avec, et si j'ai envie que ça change, je dois essayer de proposer des solutions à mon niveau et commencer au moins par travailler sur tout ce qui se trouve à ma portée. Je trouve sincèrement qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce sens. Mais je l'avoue, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. D'ailleurs, j'ai compris une chose. La plupart des clients, pour la réalisation de leur maison, recherchent d'abord ce qui les rassure. Donc, de l'architecture classique. Et dans le classique, il reste effectivement peu de place pour la créativité architecturale. Donc, je trouve que la qualité que proposent les privés est en général incomplète, puisqu'elle n'implique pas automatiquement l'innovation architecturale. On a besoin peut-être d'une petite révolution culturelle. Peut-être que nos universités, nos associations comme l'ANA et surtout notre corporation pourront sensibiliser nos enfants dans nos écoles à avoir un regard différent sur l'architecture. Comme ça, nous aurons demain de nouvelles générations d'acteurs dans le bâtiment qui regarderont autrement nos constructions, nos places et nos villes. Maintenant, en partant de l'idée de généraliser la culture de l'architecture, il faudra penser à rendre accessible cette architecture aussi. Et en ce qui concerne, je ne pense pas que je puisse me sentir vraiment architecte seulement en aidant des gens à afficher leur richesse à travers leur construction. Je crois que l'architecture est sûrement un peu plus que ça. Et surtout qu'elle devrait être un droit pour tous. C'est pourquoi je préfère et je trouve que c'est plus intéressant de travailler avec des personnes au moyen limité et régler quelques vrais problèmes. Je pense que c'est le cas dans cette maison que j'avais dessinée pour une dame et sa fille de seulement 5 mètres de façade et qui avait un programme très spécifique et donc pour moi très intéressant. Le programme en question était composé au rez-de-chaussée d'un garage qui pourrait aussi servir de local commercial indépendant, donc pourvu d'un sanitaire, plus un studio pour les deux femmes et à l'étage un appartement destiné à la location. Tout cela dans un lot de 5 mètres par an. Là, la commande d'architecture m'a été passée par quelqu'un qui voulait que je lui dessine une maison pour sa belle-mère et sa demi-sœur. Une maison pour une veuve et pour une orpheline qui n'avaient toutes les deux en ce moment-là aucun moyen financier ou matériel. Donc, c'était la construction qui devait pallier à ce problème en devenant une source de revenus pour la dame et sa fille. Ce genre d'exercice est un vrai challenge. C'est un exercice où l'on doit faire rentrer un programme bien fourni dans un espace restreint en mettant comme premier objectif l'économie de la structure et sans sacrifier pour autant le confort des usagers. En fin de compte, la solution proposée était simple, mais c'était aussi le résultat d'un processus complexe et gratifiant. Un truc qui m'a vraiment aidé, c'était de dessiner des espaces à caractère polyvalent, donc des pièces à multiples fonctions et non dominées par un programme particulier ou par une fonction bien déterminée. C'était surtout pour permettre d'économiser de la surface et pour qu'ils puissent s'adapter facilement aux différentes activités et à l'évolution des usages. En tout cas, et avec mon client, c'est comme ça qu'on voyait la qualité en ce qui concernait ce projet. Une qualité plutôt orientée plus vers les volets techniques et les critères fonctionnels. Là, je voudrais revenir sur le rôle de l'architecte qui devient de plus en plus compliqué devant un maître d'ouvrage qui n'arrive pas la plupart du temps à imposer la qualité à ses partenaires puisqu'il organise le déroulement du projet sans définir vraiment les critères prioritaires de cette dernière. Donc, on se retrouve parfois à définir les critères de qualité et à les ordonner et à les hiérarchiser. En tout cas, moi je trouve que le minimum sur lequel on pourrait s'entendre est que toute conception doit répondre de la manière la plus fidèle possible à l'usage auquel elle est destinée. Aussi que le bâtiment qui s'intègre dans son environnement doit appartenir à la culture de cet environnement et la représenter. Je suis certain qu'il faut développer l'architecture à partir des conditions, des traditions et de la culture locale. En un mot, développer une architecture contextuelle. Bien sûr, cela va de soi qu'aujourd'hui, nous essayons d'agir de manière responsable et concevoir de façon durable. Préserver l'énergie, utiliser les matériaux locaux et compter sur l'habileté de la main-d'œuvre locale. Cela m'amène à parler de l'évolution de ce rôle dans la société. Un rôle qui ne peut plus aujourd'hui se résumer à dessiner des plans et des façades et à remettre des dossiers techniques considérés beaucoup plus comme une formalité bureaucratique à accomplir pour se mettre à l'abri d'éventuelles tracasseries administratives. L'architecte devrait concevoir toute construction en tant qu'élément faisant partie d'un système complexe mettant l'homme au centre. Et tous les aspects énumérés auparavant devraient être pour lui tout simplement un défi conceptuel. Car c'est notre rôle, nous les architectes, de trouver des solutions durables, utiles et esthétiques. Je vais détailler un peu plus mes propos tout au long de cette présentation à travers d'autres
autre exemple que j'espère plus pertinent. Et je commencerai bien entendu par le siège du Touring Voyage Algérie à Batna, un concours d'architecture remporté en 2010. Sur la façade principale du Touring, orientée sud-est, j'ai dessiné cette baie vitrée d'une surface de 70 mètres carrés qui permet d'éclairer naturellement l'intérieur du bâtiment. Je l'ai muni de protection solaire dimensionnée pour éviter l'ensoleillement en été et en profiter en hiver. Il y a un autre aspect dans sa conception, c'est l'aspect culturel. J'étais confronté à un choix important, une transparence totale, donc lumière et clarté, ou intimité, ce qui implique pour moi l'utilisation du verre à contrôle solaire renforcé, le verre stop-sol réfléchissant, qui a été en ce moment largement utilisé par les architectes. Ma réponse a été conditionnée par plusieurs facteurs. D'abord notre culture plurielle, mais aussi nos traditions. Finalement, je voulais placer devant la baie vitrée quelque chose d'argenté qui pourra attirer l'attention du passant et lui faire oublier le vitrage transparent en arrière-plan. Dans le même temps, un ouvrage assez léger et ouvert pour permettre à la lumière d'éclairer l'intérieur. Pour la réalisation, j'ai eu la chance d'avoir sur le chantier un plombier très talentueux, un artisan polyvalent qui, en plus de la plomberie, il avait déjà travaillé en tant que taulier et en tant que peintre. Et voici la grille terminée. Elle a donné au Touring de Batna son aspect unique, son identité, cela en étant au départ une réponse à une problématique culturelle. Et il faut dire qu'elle a failli ne pas être réalisée. Le maître d'ouvrage avait exigé des délais irrationnels pour la terminer et m'avait signifié clairement que si on ne respectait pas les délais, il abandonnerait l'idée de la grille tout simplement. On a dû la poser avant qu'elle ne soit terminée, puis la finir sur place, ce qui a engendré des travaux supplémentaires très importants. Ça, c'est pour dire la vulnérabilité de l'architecte face aux décisions du maître d'ouvrage qui peuvent faire basculer un projet du tout au tout. Ici, des vues de l'intérieur avec toute l'équipe du Touring, je trouve qu'il est essentiel pour un architecte de revenir dans son bâtiment après sa mise en exploitation pour pouvoir réellement juger de sa réussite ou de son échec dans le temps. Le temps qui est un élément essentiel, souvent ignoré, et je trouve qu'il faut le réintroduire dans la pratique de l'architecture pour justement plus de qualité. Un projet même construit n'est jamais terminé. On sait tous que son état à un moment donné n'est qu'une image fixe d'un processus urbain en évolution continue. Il est important aussi de prendre acte de l'évolution permanente des besoins des usagers. Dans le cas du Touring, le client m'a consulté à plusieurs reprises durant les dernières années pour différentes modifications ou ajustements. Enfin, ce que j'ai retenu de la réalisation de ce bâtiment, c'est que dans notre métier, pour espérer une certaine qualité, tout le monde doit fournir des efforts. Les ingénieurs, les entrepreneurs. Et j'ai retenu surtout l'importance de la maîtrise d'ouvrage qui, dans ce cas précis, même si elle n'avait pas joué pleinement son rôle, elle a réussi à faire aboutir ce projet. Je crois que c'était surtout à cause de la bonne relation de confiance qu'elle a entretenue avec moi en tant que maître d'œuvre durant les travaux. Je continue avec un autre siège du Touring Voyage. Il faut dire que après la réussite de l'expérience de Batna, ils ont décidé de construire deux autres sièges, l'un à Sétif et l'autre à Biskra. Et là, je reviens une fois encore sur le concours d'architecture et donc pour le concours de leur siège à Batna, ils ont fait appel à monsieur Khaled Belboulaï, personne-même, l'ex-président du Conseil National de l'Ordre des Architectes. Ils lui ont confié la composition du jury et sa présidence. Eux, ils n'étaient là qu'en tant qu'observateurs. Pour madame Haddachih, directrice régionale du Touring Voyage Algérie, c'était simple et clair. Il n'y a que des architectes pour juger le travail d'autres architectes. Et elle a réitéré sa démarche pour le concours de sillage de Biskra en confiant son organisation au Conseil local de l'Ordre des Architectes de Biskra. J'ai commencé à travailler sur le concours d'architecture en octobre 2012. J'avais toujours à l'esprit la canicule de l'été précédent qui avait fait beaucoup de victimes dans cette ville. Pour cela et par mon architecture, j'ai voulu exprimer la richesse du contexte et en même temps en assimiler les contraintes, surtout climatiques. Dès le premier coup de crayon, j'ai pensé aux oasis et je me suis dit que le Touring de Biskra doit devenir une palmeraie pour ses clients. C'était le parti architectural que j'avais pris. Je me suis inspiré du palmier pour dessiner un moucharabier qui protégera ma façade sud et qui donnera au projet son identité. Je voudrais revenir à l'aspect climatique et parler de l'ensoleillement. Donc la première fois que j'ai vu le terrain, j'ai saisi le gros potentiel de cette orientation plein sud. J'ai tout fait dans ce bâtiment pour en profiter. En plus des moucharabiers, le recul des murs et de vitres
l'intérieur ombré, les porte-à-faux en casquette, plus important en se rapprochant du sud, la toiture ventilée et bien d'autres éléments, dont le seul but est de réussir un bâtiment adapté à son environnement. Je vous montre ici une simulation de séquence solaire prise à l'intérieur de l'agence le 21 décembre. On remarquera que le soleil inonde les locaux pratiquement toute la journée. Ici, le 21 juin, peu d'ensoleillement le matin et pas du tout à partir de 11h, donc avec juste une bonne orientation, des ouvertures et un bon dimensionnement des protections solaires, on peut réduire significativement la consommation de l'énergie d'un bâtiment. Tout cela pour dire qu'on n'a pas besoin d'une quelconque haute technologie pour concevoir d'une manière durable. Au contraire, il suffit juste d'un peu de bon sens pour trouver la solution adéquate. Ce sont des photos de l'intérieur du bâtiment, là le rez-de-chaussée de l'agence. Le palmier toujours comme source d'inspiration dans le traitement des éléments porteurs. La cage d'escalier reliant les deux niveaux de l'agence. L'étage, une vue sur la mezzanine et le musharabi de l'intérieur. Un espace attente toujours à l'étage. L'extérieur est la façade sud du touring. J'aimerais revenir sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur le touring de Batna, à savoir que l'architecture a toujours été le fruit d'un effort collectif et que tout ce que nous construisons résulte d'un travail d'équipe. Mais aussi que pour réussir son architecture, il faut impérativement un maître d'ouvrage d'exception. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance à travailler pour la deuxième fois avec la déléguée régionale du touring Voyage Algérie. Elle m'avait déjà fait confiance pour son siège de Batna, d'ailleurs grâce auquel j'ai été primé en 2012. Donc deux projets, deux distinctions, le même client. C'est tout simplement la preuve de l'importance de la maîtrise d'ouvrage quand il s'agit de qualité architecturale. Dans ce sens, bien sûr, le plus large. Le prochain projet que je vais vous présenter est le musée archéologique de Tazoult. Là aussi, je vais parler de concours d'architecture. Et dans mon cas, j'ai remarqué que toutes les fois où j'ai remporté des concours d'architecture, le jury était composé aussi d'enseignants universitaires ou d'ex-enseignants reconvertis dans l'administration. Et c'est une coïncidence, je crois que les architectes enseignants pensent souvent pour l'architecture qui s'explique, qui se raconte, qui offre un discours intelligent, pas juste un descriptif, mais une vraie histoire. Et puisqu'ils sont là, ils pourront nous le confirmer. En tout cas, je pense que mon succès est dû probablement à ça. Je crois que j'ai gardé un lien fort entre ma formation d'architecte et ma façon de concevoir. Et pour le musée de Tazoult, le maître d'ouvrage était Monsieur Sadiq Hamash. Et je crois bien qu'avant qu'il ne devienne directeur de l'urbanisme et de la construction à Batna, il était enseignant à l'EPO. Je commencerai ici par le site Lambez, officiellement Tazoult, est une ville militaire de l'Afrique romaine dans la région des Aurès. Dès le début, j'ai pris conscience que ma façade donnait sur une route nationale. J'ai compris que j'étais là devant une opportunité d'expression importante. Donc, j'ai pensé à la première fonction d'un musée, qui était bien sûr exposé, et dans notre cas, principalement des vestiges de la période romaine. Et là, j'ai décidé de garder mon bâtiment moderne, un cube blanc et épargné, et de diviser le mur en deux parties, puis les ouvrir telles des pages de livres que l'on tourne pour révéler des ordres romains symbolisant une période de l'histoire de notre vie. Voici les images de synthèse présentées à l'occasion du concours d'architecture. Là, c'est une photo prise après la réalisation. Vous avez bien sûr remarqué les différences entre ce qui a été réalisé et ce qui a été proposé au concours. Et vous avez sûrement découvert la clôture non prévue au départ. Ici, je reviens sur le maître d'ouvrage avec lequel, dans notre cas, il a fallu composer. Vous le savez, il a souvent sa propre conception des choses qui pourrait être parfois à l'opposé de la vôtre. Il faut donc négocier avec, essayer de le convaincre et parfois même faire des compromis. Pendant les travaux de réalisation, j'ai été contacté par la direction de la culture de Batna. Ils m'ont remis un programme type de musée régional en me demandant d'étudier les possibilités d'extension. J'avais environ 1000 m² de déficit en surface à combler. Par chance, il y avait au sud-ouest du musée un terrain libre appartenant à la subdivision des travaux publics. J'avais besoin de prendre uniquement 10 mètres de profondeur sur 50 sur deux niveaux pour lever les réserves de la culture. Voici le volume du musée avec l'extension. En dessinant cette proposition, mon premier souci était que l'extension ne devienne pas un rajout, un corps étranger que l'on greffait sur l'existant n'importe comment. Donc, en réfléchissant sur tout cela, je me suis dit que cette extension devait être le prolongement et la continuité de ce qui a été déjà réalisé. J'ai interprété cela géométriquement par une courbe continue reliant les deux volumes, puis un traitement de façade similaire par l'utilisation des colonnes romaines. Aussi par la reprise des courbes symbolisant les pages de l'histoire sur la nouvelle extension. Cette fois-ci, de façon perpendiculaire à la première, en contraste total avec les ordres romains. Pour ramener le bâtiment à son époque, ce sont des vues qui montrent l'intégration du nouveau bâtiment. Bien sûr, cette proposition a été soumise et expliquée aux autorités compétentes. Malheureusement, elle a été ignorée. Il y a lieu de
signaler que M. Sadiq Hamach n'était plus le directeur de l'urbanisme. Aussi que j'ai demandé une audience auprès du wali de Batna, mais j'ai pas réussi à le convaincre. En tout cas, il me paraît très important que l'on travaille sur des outils qui nous permettent de lutter efficacement contre l'opposition entre la pratique et la théorie, pour un peu plus de qualité dans nos réalisations, comme l'a expliqué brillamment ce matin M. Djilali Tarawi. La Triennale de Milan, elle a été créée en 1933. C'est un événement international majeur dédié à l'architecture, au design et au savoir-faire. Elle est organisée par l'Institut de la Triennale de Milan. La 21e expo de la Triennale a eu lieu en 2016. Elle est revenue après 20 ans d'absence. L'Algérie a été invitée officiellement à prendre part à cet événement. Cette première participation avait pour thème modernité, ressources patrimoniales et valeurs traditionnelles réconciliées. À cette occasion, j'ai reçu une demande de la part de la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture au niveau du ministère de l'Habitat concernant ma contribution à cet événement par la proposition de la scénographie de l'espace d'exposition algérien. Dans notre cas, il s'agit d'une exposition, donc mon travail était de mettre en scène des produits dans un espace au moyen essentiellement de décors et de lumière. Ma première tâche était de récolter toutes les informations sur les objets qui allaient être exposés. J'ai demandé des fiches techniques détaillant la taille, le poids, les matières ainsi que des photos de chaque produit. J'ai aussi demandé des photos et des plans de l'espace d'exposition algérien. Le ministère de l'Habitat m'a communiqué une sorte de programme spatial sous forme de recommandations, ainsi que les exigences techniques des Italiens concernant les matériaux et la fixation des éléments du décor. Dès le début, j'ai compris que la surface allouée à l'exposition était très limitée. Il y avait 25 objets de designers différents, plus 11 projets d'architecture à exposer. Donc j'ai pris le parti de faire un aménagement le long des murs des deux salles et opté pour une circulation centrale, cela pour gagner un maximum d'espace pour l'expo. J'ai réservé la petite salle exclusivement à l'exposition architecturale qui consistait en des affiches uniquement. J'ai prévu aussi un espace pour la réception dans cette salle. Le principe de l'exposition des objets était simple. Je prévoyais de les placer sur plusieurs niveaux le long des murs selon bien sûr leur forme, taille et poids. Donc les poser en quelque sorte sur des gradins dans le but de les mettre en valeur en les rendant visibles à tout moment de n'importe quel angle. Je vous montre ici quelques vues 3D de la proposition finale. Ici, ce qui a été réalisé. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ce travail. Si on veut réussir n'importe quel projet, il faut impérativement assurer le suivi de la réalisation. Ce cas en est la preuve. Pour moi, c'est un échec total. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre sur les lieux pendant la réalisation des travaux. Je le dirai jamais assez. Il faut suivre la réalisation d'un projet de la manière la plus rigoureuse possible pour espérer un résultat qui se rapproche le plus des idées conceptuelles initiales et qui donnera aussi satisfaction au concepteur et à l'utilisateur. Malheureusement, on voit pas mal de maîtres d'ouvrage confier des missions d'études et suivis séparément à des architectes différents. Je crois que c'est une erreur monumentale à proscrire absolument. Et si c'est vraiment inévitable, il faut faire en sorte qu'au moins l'architecte concepteur puisse surveiller la réalisation de son œuvre. Je termine avec cet hôtel touristique à Kléa, wilaya de Tipaza. Pour ce projet, il y a quelques temps déjà qu'on a obtenu le permis de construire et qu'on a terminé l'étude d'exécution. C'est un hôtel classé 4 étoiles avec une piscine semi-olympique, restaurant, salle de conférence et banquet, parking en sous-sol et environ une centaine de chambres et de suites. Avec cet hôtel, je voulais rappeler le lien très fort qu'entretient l'architecte avec son projet. Ce lien qui le pousse à s'engager corps et âme pour défendre ses idées et se battre pour lui dans le but qu'il devienne un bon projet, qu'il devienne un projet réussi. Donc, et dans ce cas précis, au début et avant de commencer mon esquisse, j'avais demandé un certificat d'urbanisme à l'APC de Cléa pour savoir quelles étaient les dispositions d'urbanisme applicables au terrain. J'étais déçu en découvrant la limite d'hauteur de 5 étages imposée au niveau du POS. C'est que le terrain ne faisait que 5000 m² et que l'investisseur voulait réaliser un hôtel 4 étoiles, y compris tout le programme qui va avec. La rentabilité de son investissement était fortement compromise et la seule alternative était d'aller en hauteur. J'ai commencé à préparer des présentations pour les autorités en essayant de démontrer que l'augmentation de la hauteur du projet ne déroge pas au règlement d'urbanisme en vigueur et en argumentant que notre projet est un projet de développement économique dans le cadre du tourisme et qui sera par l'importance et la qualité de son programme créateur d'emplois et participera au développement touristique dans la région. J'en parle aujourd'hui parce qu'on a
a eu gain de cause et que je m'y attendais pas spécialement. Mais au même temps, ce qui devient flagrant, c'est qu'on prend beaucoup de temps et de moyens pour établir des outils d'urbanisme, puis on les met de côté pour travailler avec des dérogations. Et cela soulève bon nombre de questions. Et là, je fais référence à l'ouvrage de Fouad Rachid Sidi Boumdine, Rabbi Rahmou, l'urbanisme en Algérie, échec des instruments ou instruments de l'échec. Mais en même temps, j'ai envie de souligner le côté positif et dire la grande liberté dont jouit l'architecte algérien. Mais attention, une grande liberté implique de grandes responsabilités. En tout cas, c'est une petite note d'espoir et j'ai voulu terminer dans l'optimisme parce que je crois qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui plus que jamais. Merci.